Wan. J'espère que vous allez bien, que votre famille se porte bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Kader, ici présent, pour un vlog à Lidl très classe. Mais franchement, on kiffe Lidl. On devait vous faire un vlog à Londres, mais il fait super froid et il pleut. Donc cet après-midi, on va dormir. Et en contrepartie, on va faire un vlog à Lidl pour vous montrer un peu ce qu'il y a dans le Lidl d'Angleterre. Donc là, on est dans le Lidl à Londres, à Limehouse. C'est ça, c'est de la Limehouse? Oui, c'est ce secteur-là. Donc voilà, je vais vous partager un peu ça. On va faire une raclette ce soir, donc voilà. Super, le chariot il est bien rentré, bravo Kader. Mon petit chariot que vous avez vu sur... Oui, parce que ça en fait elle met dedans et après on met comment les produits. Donc ça vous connaissez tous, hein, c'est... Ils ont les mêmes trucs que nous. Bon, j'ai pris ça parce que du coup on va faire une raclette et moi j'aime trop avec des légumes. Kader il m'a regardé comme une malade en mode qu'est-ce qu'elle a lâché ça. Lui n'aime que la viande. Voilà. Alors je pense que ouais. Là ils ont leur coin tout à emporter. Mais enfin ma soeur elle m'a dit que les sushis de Lidl ils sont trop bons. Tu veux des sushis Kader? Ouais non. Imen elle m'a dit qu'ils étaient bons. Je sais pas c'est à quoi mais ça a l'air bon hein. Moi je vais peut-être en prendre un tour. C'est à combien? 99 centimes moi. Oh non, c'est 99 centimes. Bon donc en fait vous avez dès que vous rentrez dans la partie fruits et légumes, salade, ça me rappelle quand mon père il m'épluchait ça à chaque fois. Moi j'aime trop leur houmous. Ça a l'air bon ça. C'est des artichauts grillés. Et leur houmous je trouve qu'il est bon. Voilà, je prends le format comme ça. Parce que j'aime pas quand je l'ouvre et après il périme, j'ai l'impression. Tu peux regarder de ton côté Kader, s'il y a des trucs qui te... Parce que je te vois regarder faire la gueule. Hein? J'aime trop ces olives, les rouges, elles sont trop bonnes. C'est des avocats? Vas-y, ouais, choisis-en des murs, s'il te plaît. Ils ont le classique et ils ont le... Ils ont de l'aioli, donc du guacamole. Franchement, ils ont du choix, je trouve. Et moi, j'ai l'habitude de prendre celui-ci, donc là, je l'ai pris en format petit. Et il est très bon. Là, c'est quoi, voisin? Ça me pense à Moussa, voisin. Qu'est-ce que c'est que ça? Harissa pesto. C'est pour plaisir, ça. Vous voyez bien, c'est un pesto quand même. Donc là, vous avez une machine avec des bouteilles. Donc c'est du jus d'orange que vous faites vous-même. Donc il y a la machine, voilà. Select and go. Des petites bouteilles. Et voilà quoi. Franchement, c'est bien. En fonction des tailles, vous avez les prix différents. Bon, j'ai l'habitude de prendre ceux-là. Ils sont super bons. Porcini mushroom, c'est une sorte de champignon. Et je trouve, genre, c'est trop trop bon. Et ils sont à 1,79€. Voilà, ils ont des sélections de pizza de luxe. Je sais pas si c'est en France ça. Bon, ici c'est chaud de trouver du fromage râpé. Donc moi j'aime bien prendre celui-ci. C'est de la mozzarella râpée. Mais quand je dis c'est chaud de trouver, c'est genre du bon fromage râpé. Babydel la base. Donc ça c'est les light genre. Donc il y a ça, c'est la première fois que je le vois. Genre c'est un yaourt à boire. À la fraise, je me dis ça peut être bien. Ça... Et vous avez plein d'autres bouffes. Ça aussi, ça a l'air bien. Tropical food drink. Nouveau, je ne sais pas. Les petits jus. On a la famille de Kader qui va arriver dans pas longtemps. Et du coup, c'est bien d'avoir des jus. Bon, là, c'est la partie de luxe, genre un peu haut de gamme de Lidl. Et vous avez genre des fromages, des poulets. Ah pardon. Voilà, Kader il fait le plein de trucs d'enfants. Ah, il y a des faux... Ça c'est bien que ça sort.
il y a les faux, je sais plus comment ça s'appelle, vous voyez de quoi je parle. Et voilà. Ça a l'air bon ça. Rappelle ça, comment ça s'appelle? Ah, les apérinerie, je viens de me rappeler. Alors, ça, Laïa, ça m'avait dit qu'elle avait pris, qu'elle avait trouvé dans son. Dans son Lidl du camembert avec de la truffe et du miel, mais moi il n'y a pas, il n'y a que ça. Donc ça, ça n'a pas l'air ouf, c'est pas mon dada quoi. Du boursin, du boursin. Alors... Franchement, il n'y a pas grand chose. Hein. Ça se voit qu'il y avait plus de trucs avant. Ah, il y a ce côté aussi. Je sais pas ce que c'est, mais ça a pas l'air ouf. Moi, j'ai l'habitude depuis toujours de prendre ces fromages-là. Donc, c'est le parmesan râpé et le parmesan en poudre. Il y est en France, ça, je sais, je le prenais. Et genre, c'est pas très cher et il est super bon. Regardez ce que je viens de trouver. Je viens de trouver des capelletti avec ricotta et truffes. Désolée, je prends les trois derniers. Attendez, regardez ce que je viens de voir. Un calendrier de l'Avent de fromage. C'est fou. Comment ils peuvent se permettre de faire ça alors que leur fromage est éclaté? Genre vraiment. Encore en France, tu me dis ok, mais. Vieux calendrier de l'Avent au fromage. Avec leur fromage éclaté là. Fromage plastique. C'est fou. Ah, regarde ça pour les nains. Alors ici dans le Lidl, c'est pas halal. Donc pour ce qui est poulet et tout, ben, on prend pas là. Mais on prend souvent leur poisson qui est bon. Et on avait pris la dernière fois un truc fourré au fromage et tout, c'était trop bon. Alors attendez, là c'est du saumon. Donc c'est ça, c'est une sorte de poisson avec dedans du fromage. Kadar il avait kiffé. Et là il y a, regardez-moi ça. Ça je sais qu'il n'y a pas en France. C'est un truc façon thaï. Un gâteau au poisson avec des crevettes. Vous avez la version saumon. Franchement, ça peut être pas mal. Je vais tester les deux là. L'autre, on avait déjà pris, il avait kiffé. Et je vais prendre le saumon. Ça, il avait kiffé quand même avec des petits toasts là, j'avais fait. C'était des crevettes avec la sauce cocktail. Franchement, c'était bon, c'est vrai. Bon, alors là, c'est le coin où des promotions, des nouveautés. Donc, déjà là, il y a un vacuum cleaner. Soi-disant, il était à 199 et maintenant il est à 99. Voilà, je connais pas cette marque. Vous avez les matelas Emma. Genre, ils sont censés être à 499, ils sont à 199. Je sais pas si c'est vrai. Mais on voit tous les influenceurs qui en parlent. Alors, on a les trucs de Noël. Il y a son chaussure là. Alors, on a les trucs de pâtisserie de Noël. J'avais. Le sapin, le Père Noël, et c'est à 2,99€. Franchement, ça va. Hein. Le blanco pour rappeler la scolarité. C'est un tableau, ça. De Noël. Ah, les LED. J'aime trop, moi, les décos de Noël. Même si j'en ai pas chez moi. Ceux qui me suivent sur Insta, vous savez que j'aime les gâteaux de la Hesse. Regardez-moi. Vous les connaissez. Oh my god, regardez ce qu'il y a. J'avais déjà pris ça. Putain, mais ça, c'est pour les vrais de la vraie qui me suivent depuis le tout début. J'avais pris ces gâteaux-là sur Lidl de côté chez moi et je les aimais trop. Mais je vais en prendre plein. Trop contente. Ils sont trop bons. Et en plus, là, c'est des grands formats. Ils sont à 4,99€. Je vous jure, c'est trop trop bon. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est une tuerie. Ah, oh, Kader, il va être content. Hein. C'est que sa mère, elle va venir. Je vais pas faire des baklawa. Vous vous doutez bien que j'aurai pas le temps. Mais ça, c'est le bon. J'ai trop pris, non, mais. Donc voilà, Kader, il a bu. Bah écoute, on va les continuer. Hein. Oh, regardez, c'est trop beau. Ils sont pas trop beaux. T'aimes bien, Kader? Magnifique. Make-up brush. Franchement, j'en ai plein, moi, mais. 99, ça vaut grave beaucoup. Genre, je me tâte limite à les prendre. Mais j'en ai déjà. Franchement, Lidl, il se fout pas de. C'est un peu vide, mais
tout à l'heure, ils viennent de prendre plein de viennoiseries. Donc, nous ici, je crois, en plus, il y a des beignets, tout ça, vous n'avez pas. Ils ont l'air bon, ceux-là. Mais bon, comme vous voyez, c'est des beignets. Bon, là, on est toujours dans les promos. Franchement, il y a du choix. Il y a des trucs de Noël. Biscuit Selection. Moi, j'aime trop Lidl. Genre, pour moi, Lidl, c'est trop la base. Genre, je sais pas. Je saurais pas comment vous expliquer, mais j'aime trop. Il y a les petits trucs de fête. Hop. Ils sont pas très beaux. Ça, au début, je le trouvais pas souvent, mais maintenant, je le vois souvent. C'est le papier pour le four, papier cuisson. Il est pas tout le temps, mais il est. Toilette, tissu. Non, c'est cher quand même. Ces Lidl, ils sont mieux. Ouais, cette lame là. Genre, ils sont sérieux, ils vendent des crèmes solaires à Londres. Non, mais faut arrêter. Faut arrêter là. Bon, ça, c'est leur chocolat là. C'est vrai que c'est bon, mais moi, ça m'a un peu saoulé. Et vous avez aussi ceux-là. Strawberry and cream. Je crois que ça m'écœure, mais bon, 49 centimes, je vais pas le prendre quand même. Ah, vous avez des popcorn sucrés. Sweet and salt. Ah, bah là, t'as le salé et le sucré. Alors, c'est mini gratin. Moi, je l'aime beaucoup quand vous êtes pressé et tout. C'est pas mal. Vous avez les 4, et donc c'est rosemary et thym. Rosemary, je sais plus c'est quoi, je sais plus ça se dit en français. Enfin bref, et c'est 1,89 les 4. Mini croque monsieur, pour ceux qui mangent pas l'aile. Ils ont l'air bon, hein. Wow, il y a des grosses dindes, elles sont énormes. Vous avez aussi souvent ici le cheesecake au dindes, moi j'aime pas trop. Voilà, ils sont là, mais heureusement, we're in team. Ici à Lidl, vous avez ici partout en Angleterre, vous avez dans les rayons dans les magasins comme Lidl, etc., vous avez des médicaments. Genre, moi au début ça me choquait, mais vous avez des ibuprofène, vous avez plein de choses. Genre, ça c'est pour mal de gorge, bon, les pansements, ça je pense qu'il y a. Genre, il y a des vitamines, genre, il y a plein de médicaments à chaque fois. Bon, là c'est pas très rempli, mais souvent, voilà, vous avez même. Des vitamines pour les femmes et tout, genre, franchement c'est top. Alors, moi je prends ces lingettes intimes, genre c'est pratique et tout quand tu voyages et tout, ils sont bien, ceux de Lidl ils sont top 55 centimes, franchement voilà. Après un autre truc, j'en avais parlé sur Insta, ça c'est génial, celui-là genre screené, il est génial, genre je l'aime trop, au coton ils sont trop bons et ils durent super longtemps. Franchement, il est top. Alors là, moi j'aime trop leur collection et tout, des trucs de maison. Je sais que j'ai plein de trucs de la collection beige. Là, vous avez une. Oh là là, je peux parler. Un truc pour peser quoi. Voilà. Bon, vous avez plein de trucs de jouets. Je suis désolée, je m'attarde pas trop dessus parce que bon, j'ai pas de gosse. Vous avez des livres. See what inside in your body. Oh, une petite Barbie. J'ai ma nièce qui va arriver et ça peut être pas mal ça. J'ai même un sapin de Noël. 39,99.
franchement, il y a du choix. Ok, extensible, c'est cool. 5,90€. Il est vraiment beau ce griffon. Franchement, si vous êtes famille nombreuse et tout, c'est cool. Il y en a 4. Moi, j'ai de. En plus, chez moi, c'est un peu de cette couleur. Vous avez même ça assorti. Je crois que c'est une bonne marque, ça, pour ville. Bah, nous, on a exactement cette couleur. Il est beau, là, regarde. Je trouve que c'est trop classe. Parce que ce mec, il se touche un peu sur les coups. Oh, oui, il y a une télé. Et c'est sharp en plus. Putain. Elle est trop bien. Full Android TV 259, ça va, hein? C'est une 42 inch. Ah, c'est pas cher. C'est pas cher, hein? Elle était à 400 de base. Oh, il y a la machine. Cette machine à café, apparemment, elle fait du café de fou. Mais nous, on n'est pas trop café, donc bon. Tu sais, des fois, je me dis peut-être qu'on prendrait une machine à café un jour, mais ça prend trop de place. Bon, là, il y a des trucs de l'OL. Party time, fashion chips. Vraiment, ça a l'air bon. Hein, les pizzas, elles ont l'air bonnes. Mais c'est au salade. Ah, voilà. Cheese. Ça, c'est un truc que Kader il kiffe ça. C'est des churros, mini churros fourrés au caramel. Tu veux lui en prendre deux, il va être content. Kader, j'ai trouvé un truc qui va te rendre heureux. Des mini churros fourrés au caramel. Oh. Non. Je te jure. Tu en prends plus, hein. Ah, oh, mais il y a au chocolat aussi. Ouh. Ouh là là. Ouh là là. Et c'est comment que ça se fait? Bah, soit on les fait frire, soit on les met au four. Ouh là là. Oups. Comment ça a l'air pour ça? J'avais mangé ça à Pizza Express. Et c'était trop bon. C'est des profiteroles au caramel. My God. J'ai dû les acheter ici. Ouais, sérieux. Mais là, c'est pour la toast, c'est le truc de Noël. Hein. Avant, il n'y avait pas. Ah, il y a un gâteau de truc. C'est bien. Hein. Ça, dommage, c'est pas fait, mais c'est des chicken nachos. Franchement, on est pas mal. Hein. Alors, ça, c'est les halloumi fries. Franchement, c'est trop, trop bon. Genre, je les aime trop. C'est un peu salé, mais c'est super bon. Là, déjà préparé. Ici, ils congèlent le maïs, c'est trop bizarre. Mais au début, moi, je suis une fesse de maïs et ça me perturbait un peu. Ah, les légumes, ça fait longtemps. On n'a pas pris de légumes comme ça. Avec des mouilles, c'est trop bon. Ça. Regardez ce que j'ai trouvé. Je les ai trouvés à l'Elemental. Bon, c'est là que le vlog se termine. Du coup, on passe à la caisse. On a pris grave de trucs comme ça là. Donc dites-moi en commentaire à votre avis combien ont coûté les courses. Et je vous dirai qui a gagné. Donnez-moi un chiffre et la personne qui sera le plus proche, bah, je vous dirai qui c'est elle a gagné. Bon voilà, donc comme j'ai dit, en commentaire dites-moi à votre avis combien on a payé. Sachant qu'on a la carte Lidl Plus. T'es content de ce vlog, Kader? Nickel. T'es content de tes achats? Nickel, j'espère que c'est, ça va vous plaire. Ah, mais qu'est-ce que t'as sur les dents? Hein? Qu'est-ce que t'as sur les dents? Je ne vais pas brosser les dents ce matin. Bon allez, ciao. Ciao.